بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Alors, alhamdulillah, salam alaikum tout le monde. Donc ici, c'est, inshallah, donc le vendredi, inshallah, on va réserver ça pour une discussion ouverte pour discuter entre nous, pour faire le point et pour répondre à certaines questions. Mais je ne suis pas un moufti sans fausse modestie. Bon, si je peux répondre à certaines choses, on va répondre. Mais j'aime pas trop me mettre dans un rôle de personne qui va répondre à toutes les questions. Mais bon, comme il y a beaucoup d'ignorants, comme il y a beaucoup d'aveugles et que je suis borgne, donc ça va. Je suis un borgne au pays des aveugles, comme a dit notre cher ami Salafi l'autre fois. Donc on va pouvoir se débrouiller. Donc c'est ça. Donc on va répondre à. Donc, c'est une discussion ouverte. Vous pouvez mettre vos questions par écrit ici. Vous avez le droit aussi, pour celui qui veut. Hop, on enregistre. Pour celui qui veut prendre la parole, il peut le faire, mais en sachant que c'est possible que ce soit sur YouTube. Bon, là, comme c'est des questions-réponses, bon, peut-être que celle-là, je vais peut-être l'enlever de YouTube après et garder que les choses pertinentes, parce que bon, on va pas mettre toutes les questions-réponses. D'accord. Et voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, je peux répondre à certaines questions qu'on m'a posées en privé. Je commence par quoi? Mais moi, je préfère que ce soit des questions, j'avais pensé plus sur le thème de la langue arabe. S'il y en a qui ont besoin de conseils par rapport à ça, et d'autres questions, d'autres types, quoi. Non. En tout cas, pour commencer, bon, après, il y a des questions, il y a des sujets d'actualité, comme d'habitude, il y a toujours des sujets. Par exemple, là, il y a la dame, j'avais même pas remarqué, enfin, je savais pas qu'elle était chrétienne, la journaliste qui s'est fait tuer par les Israéliens, par les Juifs, enfin, les sionistes, je sais pas comment il faut les appeler, les sionistes, on va dire. Et en fait, elle est chrétienne. Et donc, du coup, il y a des personnes qui disent oui, qu'Allah lui fasse miséricorde, etc. Et encore une fois, ça fait des polémiques. Donc, par rapport à tout ça, les sujets polémiques, etc., moi, que les choses soient claires, je sais que je vais devoir me répéter à l'avenir, mais moi, je ne cherche pas spécialement à surfer sur les sujets polémiques à chaque fois, mais il y a un devoir quand même de répondre aux questions que les gens se posent, d'autant plus que franchement, faut le dire, vraiment, j'arrive à un point où on se rend compte qu'il faut vraiment se réinitialiser par rapport à tout ce qu'on a entendu de tous les enseignements, en fait, des salafis, obligé de toujours revenir là-dessus, parce que c'est toujours leur réponse qu'on trouve partout sur Internet, dans les livres traduits. Tu vas taper sur Internet, tu vas toujours trouver les mêmes choses. Et les vrais ulamas qui ont vraiment une science profonde, eh bien, on écoute, on les entend pas assez. Et même si on les entend, les gens ont tendance à ne pas accepter. J'avais déjà parlé de ça, sans que ce soit un sujet d'actualité, par rapport au fait de dire à un non-musulman que Dieu lui fasse miséricorde.
que Dieu lui fasse miséricorde. En fait, avant l'arrivée des Wahhabis, des Salafis, etc., c'était quelque chose qui s'est toujours fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a même un chrétien qui meurt, un non-musulman qui meurt, ben, tu lui fais des condoléances. Les condoléances, voilà, ça fait partie des règles de bienséance. Et tu dis une phrase du genre, ben, qu'il repose en paix, qu'Allah lui fasse miséricorde, etc. Maintenant, qu'est-ce qui nous... Notre chir, en fait, il a répondu à ça tout à l'heure, puisque c'est l'actualité. Et il avait déjà parlé de ça pendant le Ramadan, si vous vous souvenez. On avait dit que même en enfer, l'attribut de miséricorde, eh bien, a un effet sur les gens. L'attribut de miséricorde a un effet sur les gens. Parce que déjà, on sait que l'enfer, il y a sept degrés au paradis. Il y a sept portes en enfer, je veux dire, sept portes. Et que ceux qui sont au plus bas, ce sont les hypocrites. D'accord? Innal munafiqina fi darikil asfali minan nar. En fait, ra'a fi darikil asfali minan nar. Darakat. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Parce que eux, ils n'ont même pas eu la franchise de montrer leur mécréance. Ils faisaient semblant d'être musulmans alors qu'ils étaient mécréants. Donc, eux, ils sont au plus bas de l'enfer. Et après, tu as ceux qui sont dans des degrés moindres. Il est rapporté que Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est à un degré moindre, d'accord, de l'enfer. D'ailleurs, certains soufis, on va dire, veulent soutenir le fait que Abu Talib serait ne serait pas en enfer. J'ai même un livre sur ça. Mais ce qu'il faut retenir de ça, justement, c'est que c'est un sujet qu'il faut vaut mieux éviter de traiter. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui fait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, qui fait mal au prophète alayhi wa sallam. Donc c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Vaut mieux ne pas poser cette question et la laisser de côté. Les chiites disent également qu'il était musulman sous taqiyya. Tout à fait. Ben, en fait, c'est par amour pour le prophète alayhi salam, pareil pour ses parents. Bon, pour ses parents, bon, je ne maîtrise pas super bien la question, mais voilà, c'est pareil. Il y en a qui disent que ses parents aussi pourraient être sauvés, que lui aussi il serait sauvé. Mais subhanallah, dans le mousnad de l'imam Ahmed, on a lu, là on a fini le mousnad de Abu Bakr Siddiq, on va commencer celui de Omar ibn Khattab. Et écoutez bien, les Sahaba ont demandé, il y avait, c'était, alors c'est une longue histoire, hein, je ne vais pas vous faire les longues histoires à chaque fois, mais en fait, c'est Othman ibn Affan qui était, il était très soucieux, et Omar ibn Khattab est passé devant lui a passé le salam, et il lui a pas, Othman, en fait, n'a pas entendu. Et ensuite, Omar ibn Khattab, il était fâché, il était voir Abou Bakar, il a dit, Ma yu'jibouka. Comment ça se fait? Que ça te plaît, ça? Je passe devant Othman ibn Affan, je passe le salam, il ne me répond pas. Après, Abou Bakr Siddiq vient devant Othman, il dit, mais ton frère, Omar, il dit que il est passé devant toi, il t'a passé le salam, tu n'as pas répondu. Il a dit, Wallah, il ne m'a pas passé. Il dit, si. Omar ibn Khattab, il dit, Othman, il dit, si, je t'ai passé le salam. Il dit, c'est vous, de toute façon, vous, là, les Banu Umayya, c'est comme ça que vous êtes vous êtes des mutakabbir. Attention, les micros. Hop. Juste histoire pour que vous puissiez ressentir un peu les contextes qu'il y avait, parce que les Banu Umayya, on en reparlera plus tard, bah, ils avaient cette réputation d'être peut-être mutakabbir, mais subhanallah, Othman, il était loin d'être comme ça. Bref, pour arriver à l'histoire, il a dit, mais en fait, j'étais soucieux parce que j'ai posé la question. Vous allez voir où je veux en venir. Non, on a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort et retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a oublié de lui demander ma huwa najat wa hadha al-amr. Comment on va être sauvé? C'est quoi la chose par laquelle on sera sauvé de cette dunya? Et Abu Bakr Siddiq, il dit Ana sa'altu. Moi, j'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, ah, alhamdoulillah, anta haqqu biha. Toi, mashallah, tu penses toujours à poser les bonnes questions qu'il faut.
Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Il a dit, pour être sauvé dans ce bas monde, c'est en acceptant la parole que mon oncle a refusée. En acceptant la parole que mon oncle a refusée. Je pourrais vous donner le hadith exact, mais en gros, c'est ça. Comment... Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a proposé comme parole à son oncle? Qul la ilaha illallah. Juste dis-le. Dis la ilaha illallah et au jour du jugement, je pourrais t'aider. Je pourrais faire quelque chose pour toi. Mais dis-le. D'accord? Et finalement, bon, dans les versions connues officielles, il l'a pas dite. D'accord? Et donc, tout simplement, pour nous, de toute façon, c'est clair. Mais c'est quand les gens sont vivants que les gens doivent savoir ce que nous, on veut d'eux. Nous, les musulmans, notre message, il doit être clair vis-à-vis des non-musulmans. Ils doivent savoir que nous, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Nous, on tergiverse pas. D'accord? Soit on propose le paradis, soit l'enfer. Mais quand on est des gens, oh là là, c'est quoi tout ça? Je suis étudiant. Alors, ok, c'est une question, ça marche. Alors, quand on est des gens, en fait, moi, voilà ma conclusion par rapport à ces questions qui vont se reproduire. Il y a des personnes. Il y a des personnes qui font tout pour dégoûter les gens de l'islam, avec leur islam innové. Donc, ils sont des gens qui donnent pas envie aux gens d'être musulmans. Et une fois que ces gens en enfer, ces gens meurent, ils veulent s'assurer qu'ils sont bien en enfer. Comment ça, tu dis, rahimahullah, c'est un kafir, tu dois pas lui dire. Bien sûr, c'est un kafir, mais quand on dit qu'Allah lui fasse miséricorde, donc pour reprendre ce que le cheikh il a dit, il a dit, mais la miséricorde d'Allah, nous, qu'est-ce qu'on connaît de la miséricorde d'Allah? C'est nous qui partageons la miséricorde d'Allah? Non. D'accord? Et comme on a dit, cette miséricorde, même s'ils sont en enfer, on n'a pas dit qu'ils sont au paradis. On n'a pas dit qu'Allah lui fasse miséricorde, elle est chrétienne, elle va aller au paradis. On n'a jamais dit ça. Mais on dit que, de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus miséricordieux du miséricordieux. Et Allah rétribue chacun selon ses actes. Elle ne va pas rétribuer, par exemple, une chrétienne. Voilà, on va dire qu'il faisait du mal à personne, entre guillemets, même si elle avait une mauvaise croyance, comme quelqu'un qui était un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets du Coran, Allah nous dit, parce que quand on parle, en fait, il faut avoir une vision d'ensemble, parce que nous, on donne pas la valeur à la science en réalité. Wallah, franchement, les gens sont pas conscients de leur ignorance, en fait. Je sais pas comment le faire comprendre aux gens. Mais c'est une réalité. Et on l'a prouvé à travers tout ce qu'on dit, quand on étudie le balagha, on étudie l'aqidah, quand on étudie le fiqh, on dirait que les gens, tous ces gens-là qui nous parlent là, mais ils étudient rien du tout. D'accord? Donc, Allah, il nous dit, Audhubillah minash shaitanir rajim, fawarabbika ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Ça, c'est qu'un verset. Après, voyez comment on peut le comprendre. Mais Allah, il dit que tous les gens seront autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, on va enlever de chaque groupe, chaque communauté, ceux qui étaient les plus acharnés contre le miséricordieux. Ensuite, c'est nous qui savons, Allah qui sait le mieux, qui est-ce qui mérite d'être brûlé en enfer. D'accord? Donc, quand il s'agit de la miséricorde d'Allah, sachez que la miséricorde d'Allah, on ne peut pas la maîtriser. Ce n'est pas à nous de la maîtriser. D'accord? Allez, donc ça, c'est en gros la réponse de mon cheikh par rapport à ça. C'est que la miséricorde d'Allah, ce n'est pas nous qui la distribuons. On n'a pas dit qu'un chrétien va aller au paradis, au Jannat al-Firdaws, mais on dit que la miséricorde d'Allah, elle s'applique même en enfer. D'accord? Donc d'où vient l'ordre des sourates du Coran et quelle sagesse derrière cet ordre? Attention, parce que les questions-réponses, là, je les sens venir de loin. Les coranistes des réseaux, là. Alors, d'où vient l'ordre des sourates des Corans et quelle sagesse derrière cet ordre? Donc, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop les questions-réponses parce que les gens,
des réponses fast-food, etc. Alors que si on étudie de manière méthodique les sciences du Coran, etc., on va savoir tout ça. Donc, l'ordre des sourates du Coran. Donc, il y a l'ordre des sourates et il y a l'ordre des versets. L'ordre des versets, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé au prophète, et les versets, des versets étaient récités par morceaux, jusqu'à ce que ça constitue une sourate. Et lorsque Bismillah ar-Rahman ar-Rahim était révélé, on savait que la sourate était terminée. Ensuite, les sourates, comme il nous a expliqué, donc d'ailleurs dans le livre Itqan fi Ulum al-Qur'an et dans tous les sciences de Ulum al-Qur'an, la plupart des sourates, l'ordre a été donné par le prophète alayhi. Et certaines sourates, l'ordre a été fait par les sahaba. Celle entre, par exemple, qui est Othman Affan a mis sourate Anfal juste avant la sourate Tauba, alors que ce n'était pas révélé au même moment. Mais on voit bien qu'il y a une cohérence entre ces sourates et les sahaba, eux. Faut bien comprendre qu'ils étaient imprégnés de la science du prophète alayhi. Donc lorsqu'il faisait des choses, il faut avoir confiance, en fait. D'accord? Il faut avoir confiance. Il faut pas considérer oh, les sahaba, ils ont fait comme ça, mais pourquoi? Mais attends, attends, attends. Il faut aussi savoir quelle est la place des sahaba, et surtout de Othman ibn Affan, qui lisait le Coran entier en une rak'a. Donc il sait ce qu'il fait. Et sûrement que peut-être qu'il y avait un ordre du prophète alayhi derrière qui ne nous est pas parvenu, parce que quand les sahaba font des choses, souvent il y a des choses qu'ils font qu'on considère que ça ne peut pas venir de leur avis. Ils ont sûrement entendu le prophète alayhi leur dire quelque chose, donc ils l'ont fait. D'accord? Donc, quelle est la sagesse derrière cela? Il y a beaucoup de sagesse. Il y a des livres qui sont écrits, aussi l'imam Suyuti et d'autres qui ont écrit. C'est une science qui s'appelle Ilm al-Munasabat. C'est une science tout entière, en fait, des sciences du Coran, qui nous explique la cohérence. Donc, pourquoi? Donc, la cohérence entre la sourate Baqara, ensuite la sourate Ali Imran, ensuite la sourate Nisa, sachant qu'avant, il y a un hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité sourate Baqara, ensuite il a récité sourate Nisa, et ensuite Ali Imran. Quelque chose comme ça, d'accord? Le sens n'était pas pareil. Donc, il y a une cohérence entre les sourates et même entre les versets, quand les versets s'enchaînent, etc. Et ça, c'est une science à part entière. Donc, c'est ça. Il y a une sagesse, et celui qui lit le Coran en entier de façon cohérente, il le ressent, en fait. Et chaque sourate, elle a un esprit, chaque sourate, elle a quelque chose de particulier, non? Donc, c'est ça. Mais ça, on apprend ça dans les sciences du Coran. Le savant Malikit El-Baji dit dans son commentaire de Muwatta, certains savants affirment qu'il est interdit d'offenser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que l'argument soit licite ou pas. Barakallahu fik. Ça, c'est très bien dit. Il est interdit d'offenser le prophète, alayhi wa sallam, effectivement, et parler de son oncle qui est en enfer. Non, il est en enfer. Non, il est au paradis. Laissons ce sujet-là. D'accord? S'il est au paradis, tant mieux, alhamdoulillah. Et s'il l'est pas, eh bien, Allah Azzawajal, il est el-Adl. Non. Moi, je voulais juste savoir tous les livres à étudier dans la langue arabe, Nahou, Sarf, Balagha, dans l'ordre, pour avoir un bon niveau dans la compréhension des sciences du Coran. Non. Donc, les livres à étudier. Donc, encore une fois, avant de répondre à cette question, c'est vrai, c'est normal, il faut avoir une vision d'ensemble. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut étudier, etc. Mais des fois, tu as rencontré Cheikh Saïd Mamdouh au Caire? Non, je ne l'ai pas rencontré, non. Mais on étudie ce livre avec Cheikh Yousri. Non. Après, on ne peut pas aller chez tous les cheikhs en même temps. Hein. C'est à un moment donné, justement, c'est ça que je voulais dire. À un moment donné, il faut se concentrer sur quelque chose et pas. Parce que, regarde, pour répondre à la question du frère, les livres à étudier, c'est facile à savoir, d'accord, pour avoir un bon niveau. Mais j'ai remarqué que nous, les étudiants, en fait, des fois, on se projette beaucoup. On connaît tous les livres à étudier. Oui, il faut tel livre, tel livre, tel livre. En fait, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de la science,
Mais finalement, on n'apprend pas beaucoup. D'accord? Oui, tel livre, il est super. Si tu dis ça, tu as un bon niveau. Et puis, on commence à. Des fois, c'est pendant des heures. Oui, celui qui étudie Elfia, il a un bon niveau. Celui qui fait ça, il a un super niveau. Celui qui fait ça. Oui, mais toi, tu as étudié quoi? C'est ça la question. D'accord? Donc, pour le Nahou, la grammaire, en réalité, celui qui étudie et qui comprend bien Al-Ajurumiyya, il est tranquille. Yani amina min al-lahn. Ça veut dire qu'il ne va plus se tromper dans la grammaire. C'est-à-dire, il va dire Inna Allaha ghafurun rahimun. D'accord? Il ne va plus se tromper. Quand on dit la grammaire, al-lahn dans la grammaire, ça veut dire que tu ne vas pas te tromper dans l'i'rab, grammaticalement parlant. Donc, tu vas savoir tout ce qui est. Bah déjà, tu vas savoir faire le i'rab. Donc, tu vas savoir que. Bah, tu sais c'est quoi l'isme, c'est quoi la harf, c'est quoi le isme, harf et fi'l, et ça c'est hyper important pour la suite. Tu sais c'est quoi l'alamat l'isme, alamat l'fi'l, alamat l'harf, c'est très important à savoir, ça va vraiment beaucoup aider, parce que justement, après quand tu, par exemple aujourd'hui on a étudié Bayna, c'est soit c'est harf, ou soit c'est en fait soit c'est harf ou soit c'est ism, parce que des fois c'est utilisé comme ism, des fois c'est utilisé comme harf, et si c'est harf c'est mabni bayna toujours, mais des fois c'est baynikum, et il y a des qira'a laqad taqatta'a baynakum et laqad taqatta'a baynukum, donc là c'est fa'il, ism fa'il, ou sinon c'est zarf zaman mabni. D'accord, donc Ajrumiyya, wallah, et ça suffit. Parce que quelqu'un qui est capable, aujourd'hui là, tous ceux qui m'écoutent, celui qui est capable de prendre Ajrumiyya, le texte Ajrumiyya, et de l'expliquer. Parce que en fait, tu peux utiliser Ajrumiyya comme support et ramener le contenu de ce que tu peux trouver dans Ibn Aqil, dans Elfiyya. Parce que c'est les mêmes sujets. Sauf que dans Ajrumiyya, c'est simplifié, mais le même sujet, tu le vois dans Qatr al-Nada. Et le même sujet, tu le vois dans Elfia, mais en plus développé. Mais c'est le même sujet, en fait. D'accord? Donc, dans le Nahou, Ajrumiyya, déjà, celui-là, on maîtrise bien. Donc, il faut l'étudier, le réétudier et l'apprendre de la bonne manière. Ça veut dire l'apprendre par cœur, avoir tout en tête. Qui entre nous connaît bien Kana wa akhawatuha, Inna wa akhawatuha, tout ce qui est el-Majrourat, el-Idafa, etc. Déjà, on a du boulot sur ça. D'accord? Ça, c'est au niveau de la grammaire. Après, au niveau du sarf, au niveau de la conjugaison aussi, il n'y a pas un texte à proprement dit où on va étudier tout le sarf. Il y a des moutons, mais qui sont pas complets, tu vois. Il y a le maqsoud, mais il n'y a pas tout. Lamiyatul af'al, en fait, c'est la conjugaison, mais que pour af'al, comme son nom l'indique. Et en fait, lamiyatul af'al, ça complète ce qu'il y a dans Elfiya ibn Malik. Dans Elfiya ibn Malik, il y a la conjugaison en ce qui concerne les noms, justement, vous voyez? La conjugaison des noms, tu vois, ism fa'il, etc., le masdar, etc. Et c'est très. Il faut vraiment être. Franchement, il faut être vraiment intelligent. Celui qui comprend tout ça, franchement, comme je disais dans le groupe, c'est un ingénieur en langue arabe. Et franchement, tu sais, j'ai envie de dire, faut qu'on arrête de bavarder, faut qu'on étudie pour de vrai. Et à travers les cours que je fais la semaine, dans la semaine, ben justement, j'essaye de mettre le pied à l'étrier. Qu'on commence à étudier, d'accord? Et là, bientôt, je vais lancer un programme que en arabe où là, on va voir, ils sont où les étudiants, d'accord? Donc, grammaire, Ajrumiyya, ça suffit. Après, Qatr al-Nada, ouais, c'est pas du gâteau. Hein. Ensuite, Elfia. Et dans Elfia, il y a de la conjugaison des noms. Comme on a dit, il y a de la conjugaison des noms. Ensuite, ça, c'est Sarf, Nahou, Sarf, et ensuite Balara. Balara, un livre assez simple, comme là, ce qu'on est en train de faire, tu le fais en arabe, tu connais toute la Balara. Après, bon, et après, c'est pareil, tu peux développer. Là, j'ai fait de manière simple. Cher, micro, s'il vous plaît. Oui, ouais, attention les micros, s'il vous plaît. Donc, voilà. Et dans le Balara, bon, bah, c'est pareil, il n'y a pas vraiment un matn, mais si, il y a un matn que j'ai oublié le nom. Mais il y a un qui s'appelle Mi'atul Ma'ani wal Bayan, il est pas mal, il est simple, mais il est pas mal. Il y a tous les chapitres de Nahw qu'on est en train d'étudier, ça va.
Donc celui qui fait ça, et bismillah, on va le faire bientôt, ça avec grand plaisir, et on va voir qui sont les toulab, parce que moi j'ai pas envie qu'on soit trop dans la discussion, d'accord? Salam alaikum, pouvez-vous nous parler de Aulia et de leur inspiration, Ilham, jazakumullah khair. Salam alaikum, je demande si être Quraysh est une condition pour prétendre à la gouvernance sur les musulmans. Non. Alors, pour les Aulia et leur inspiration. Alors, pour faire simple, quand on parle de soufisme, moi, je préfère mettre en garde surtout les débutants contre tout ce qui est en rapport avec les inspirations, etc. Pourquoi? Même mon cher, il le dit souvent, c'est que vous savez que si tu as ce qu'on appelle un kashf, c'est-à-dire qu'Allah te permet de voir une chose qui sort de l'ordinaire, eh ben sache que c'est très dangereux pour toi. Parce que à partir du moment où Allah te fait voir une chose qui est inhabituelle, là maintenant tu as moins le droit à l'erreur. Donc vaut mieux que tu vois pas grand-chose. C'est souvent mieux pour toi. D'accord? Mais on a suffisamment de choses dans Sharia qui sont expliquées pour avoir besoin de voir des choses qu'on ne voit pas. Inspiration de quoi? D'accord? Inspiration, on a déjà la charia. D'accord? Donc pourquoi tu cherches une inspiration? Pourquoi? L'inspiration qui nous est utile, c'est l'inspiration qui nous inspire de toujours être dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'inspiration que nous on veut. C'est l'inspiration qui te permet de te lever au fajr. C'est l'inspiration qui te permet de prier tout le temps à la mosquée. D'accord? C'est ça l'inspiration dont on a besoin. N'a-t-il pas une volonté de rabaisser la langue arabe dans les pays arabes, car au Maroc, ils ont rajouté la langue berbère. Tout à fait, ça c'est une réalité. Il y a cette guerre contre la langue arabe, c'est pour ça que j'ai fait mon projet d'arabisation et il faut que nous, on fasse aussi une contre-propagande. Même si la langue berbère, à la base, ça n'a jamais posé de problème. C'est-à-dire que Ajurumiya, dont je parlais, Ibn Ajurrum, c'est un chleuh, d'accord? Pourtant, il a fait le livre de la langue arabe le plus connu, le plus enseigné au monde. Il a écrit ce livre devant la Kaaba. Et les chleuhs, ils ont jamais oublié leur langue. Mais pour eux, l'enseignement, le tafsir du Coran, l'enseignement du fiqh, ça se fait en arabe. Mais entre eux, en famille, ils parlent leur langue. Jamais l'islam n'a demandé de oublier sa culture. Mais on a l'islam qui est notre culture internationale. Et ensuite, on a nos cultures. Moi, je suis Camerounais, je parle Douala. Personne ne m'a demandé d'oublier ma langue Douala. Nous, on est des Français. Bon, mais normalement, lorsqu'on enseigne et qu'on se parle entre nous, on se parle en arabe parce que c'est la langue du ilm, c'est la langue du Coran. On pourrait dire même que c'est une langue sacrée, même si certains, ça leur casse leur nerf d'entendre ça. Mais voilà, c'est ça. Mais il y a mais c'est pour ça que nous, on doit vraiment faire l'effort pour travailler cette langue. Donc, il y avait des questions qui étaient avant. Donc, voilà. Pour avoir une bonne compréhension, voilà, c'est ces trois choses. La grammaire, la conjugaison et ilm al-balagha. Et quatrièmement, ce qu'on appelle el-lugha, c'est-à-dire connaître les définitions des mots. Ce qu'on appelle l'lugha, tout simplement, c'est-à-dire, en fait, c'est le dictionnaire. C'est-à-dire que chaque mot, tu dois connaître exactement sa définition. Donc, il faut des livres comme Lisan al-Arab, des dictionnaires bien développés qui te donnent le sens des mots. Et ça s'étudie en étudiant les poèmes anciens, Banat Souad, Lamiatul Arab, les Muallaqat, l'arabe ancien, l'arabe qui était juste avant le Coran. Et là, bi'iznillah, on aura une bonne compréhension du Coran. Parce que l'arabe du Coran, c'est l'arabe qui était juste avant la révélation du Coran et qu'on doit maîtriser. Hein? Banat Souad, par exemple, le poème qui a été écrit par Ka'b ibn Zuhair devant le prophète A.S. Sincèrement, moi, quand je le lis comme ça, 70%, j'y pige rien. Et pourtant, c'était l'arabe, le prophète, il a tout que ça, il a pleuré et tout ça. Mais on se doit de connaître ces choses-là, parce que ça, c'est de niveau primaire, collège. Donc, on se doit, et ça, on va le faire, Inch'Allah, c'est prévu, d'étudier ce genre de livre. Naam, il y avait des questions avant. Salam alaikum, je suis étudiant. Je voudrais étudier le Coran, savoir le lire, le comprendre, le mémoriser en dehors de mes études, le soir et le week-end. Je ne sais pas quelle méthodologie mettre en place. Pourriez-vous me conseiller, s'il vous plaît? Pour l'instant, j'écoute le Coran, puis l'apprends grâce à l'écoute et phonétique. Attention. En faisant très attention à
la prononciation, puis je passe à la compréhension grâce au tafsir. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode. Alors, on reprend. Je suis étudiant, je voudrais étudier le Coran, savoir le lire, le comprendre, en dehors de mes études, le soir et le week-end. Je ne sais pas quelle méthodologie mettre en place. Franchement, pour répondre à ta question, moi, je vous conseille vraiment d'avoir un prof chez qui vous faites au moins un cours par semaine et restez avec ça de manière constante. C'est-à-dire, franchement, tout le monde peut apprendre 2 pages de Coran par semaine avec la révision qui va avec et évoluer comme ça. Et franchement, celui qui fait ça, eh ben, au bout de plusieurs mois, franchement, il va avoir un très bon niveau. Et toujours le Coran, ben, avec la traduction, d'accord? Je suis désolé. Voilà, je réfléchissais à ça tout à l'heure. Quelqu'un qui apprend toutes les semaines 2 pages et après tu décortiques en français. Amma yatasaaloun anin naba'il azim alladhi hum fihi yakhtalifoun kalla sa ya'lamoun kalla sa ya'lamoun. Je suis désolé. Quelqu'un qui étudie, qui mémorise le Coran et qui regarde la traduction, qui décortique, bi'iznillah, en faisant dua, il va apprendre l'arabe. Celui qui apprend pas l'arabe de cette manière-là, franchement, je suis désolé, c'est qu'il a un problème quelque part. Il y a un problème. C'est que la personne, elle n'est pas attentive ou la personne, elle s'en fiche. Elle donne pas l'importance de la langue arabe. Elle n'a pas envie de comprendre, en fait. Mais si elle n'a pas envie de comprendre, ben, ça, c'est encore autre chose. D'accord? Mais la bonne méthode, c'est ça. Quotidiennement, le week-end, moi, chez un prof le plus proche de chez vous et vous apprenez chez lui. Vous apprenez 2 pages par semaine avec constance, etc. Et effectivement, vous lisez la traduction surtout de chaque mot, vous regardez chaque mot et essayez d'écouter souvent voilà, des tafsirs. Par exemple, le tafsir que je fais, bon, à la base, c'était justement fait pour ça, mais bon, après, je suis parti plus dans des. Je me concentre moins sur les mots, mais à la base, c'était fait pour ça. C'est-à-dire que chaque mot du Coran, on essaye de le décortiquer, de faire un lexique. Et bien, là, vous allez. Voilà. Donc voilà, là j'ai toutes les questions, donc on va redescendre. Alors, c'est levé sur le cortège d'un juif mort, il s'est levé et les compagnons étonnés ont répondu, c'est une âme comme une âme. Effectivement, une fois il y avait, ça c'est connu, le cortège d'un juif qui est passé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Et même les compagnons étaient étonnés parce qu'il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était révolutionnaire à son époque. Au niveau de son comportement, etc. Et Allah, en fait, il faut vraiment qu'on prenne exemple sur la vie du prophète avant de parler. Comment il se comportait quand il y avait, s'il y a un mort parmi les juifs, etc., comment il va se comporter? Est-ce qu'il va dire, allez, débrouillez-vous, vous êtes en enfer, c'est votre problème, etc. C'est comme ça. Le prophète, même si ses parents, sa mère est morte avant l'islam, mais il a demandé la permission d'aller visiter la tombe de sa mère. Je me rappelle plus là, entre Médine et la Mecque et pour faire doa et ça réduit même s'ils sont dans le châtiment ils sont en enfer on n'a pas dit que les mouchriquines vont au paradis mais il se peut que dans l'enfer eh bien leur châtiment soit allégé d'accord on n'a pas dit qu'ils vont que les mouchriquines vont au paradis hein. Hop, salam alaikum. Alors, question, pouvez-vous nous parler de donc Aulia, on a répondu. Je demande si être Quraysh est une condition pour prétendre à la gouvernance des musulmans. Donc effectivement, ça c'est dans les livres de fiqh. Au niveau de la gouvernance, ben, c'est les Quraysh. D'ailleurs aussi, pareil, dans le Mousnad d'Imam Ahmed, on a vu ce passage par rapport à Abu Bakr Siddiq. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, les Ansar ont commencé à s'organiser pour mettre le nouveau califat et ils allaient mettre un calife des Ansar. Hein. Et Abu Bakr Siddiq et Omar sont arrivés et ils ont discuté et Abu Bakr Siddiq il leur a rappelé, vous vous souvenez, vous étiez présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette affaire-là, du commandement, il est que pour les Quraysh. D'accord? Après, ils ont dit oui, c'est vrai. Donc, ils ont dit, vous êtes les émirs et nous, on est les ministres. D'accord? Et donc, voilà. Et les plus proches de Quraysh et le plus proche du prophète, effectivement, c'était Ali, radiallahu alayhi salam. Mais, encore une fois, si on n'a pas mis Ali,
radiallahu anhu, à la place à la place de Abou Bakr Siddiq, c'est pour des raisons qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a beaucoup de contextes qu'on ne comprend pas. Peut-être que Ali, radiallahu anhu, c'était lui qui était le mieux placé pour être calife après. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et encore une fois, dans le Mousnad d'Imam Ahmed, on a lu ce hadith que j'avais jamais lu. C'était que, vous savez, quand justement, quand il y a justement le bara, le surat Tawba, il y avait le désaveu total des mouchriquins, et que maintenant les mouchriquins doivent être chassés de la Mecque et du lieu sacré. Alors, il fallait annoncer, hein, Azubin Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi 4 ashhur أن الله بريء من المشركين. Alors à chaque fois, مشركين ورسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله. J'espère ne pas te tromper. Hein? Que Allah dit et وبيان من الله ورسوله إلى الناس. Et c'est un bayan. C'est un bayan, c'est-à-dire un message d'Allah et de son prophète pour les gens que Allah se désavoue des mouchriquins ainsi que le prophète se désavoue des mouchriquins. Donc, Abou Bakr Siddiq, c'était lui qui a. Non, il était en expédition avec Ali. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, en fait, le prophète a mandaté Ali radiallahu anhu pour faire cette annonce. Et quand Abou Bakr Siddiq est revenu auprès du prophète, il pleurait. Il dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as. On dirait que tu m'en veux. Pourquoi tu m'as retiré cette mission d'annoncer aux gens le désaveu d'Allah de son prophète? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça, cette annonce doit être faite que par moi ou quelqu'un qui fait partie de moi, c'est-à-dire Ali, radiallahu alayhi wa sallam. Donc, juste pour comprendre, d'accord, que si l'argument que Abou Bakr Siddiq a donné aux Ansar pour dire que c'est nous les plus proches du prophète, donc c'est nous qui avons la gouvernance, donc cet argument s'applique à Ali. Mais nous, on n'est pas là pour faire nos ijtihad parce qu'on n'a pas le niveau de faire ijtihad, sans fausse modestie. Il faut comprendre, si maintenant on rentre dans le domaine de sciences politiques, soit on maîtrise, soit on ne maîtrise pas. Mais il faut savoir que tout ce qu'on peut réfléchir, même si on est le plus intelligent du monde, nos prédécesseurs, walillahil hamd, ils ont déjà répondu à tout cela. Et de toute façon, Ali radhiyallahu anhu, qui était le plus courageux, c'était un grand chevalier. Dire que Ali radhiyallahu anhu faisait de la taqiyya et qu'il était fâché contre Abu Bakr et Omar et que ça, c'est pas du respect envers Ali. Et c'est sous-estimer Ali radhiyallahu anhu, alayhi salam, de dire cela. Parce que s'il avait quelque chose à dire, il le dit. Même devant Abou Bakr et Omar, il l'aurait dit. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais si il est d'accord, il est d'accord. D'accord? Pour plusieurs raisons que je ne maîtrise même pas moi. Mais voilà. Donc, ça ne sert à rien de rentrer là-dedans. Les néo-chiites à la Adnan Ibrahim. Moi aussi, j'étais dedans à une époque. Mais ça, on ne veut plus ces ijtihad là. Parce que les ijtihad là, ça c'est du désordre. C'est de l'anarchie. On veut pas. Moi, je ne suis pas là pour appeler à l'anarchie. D'accord? Naam. J'arrive au Caire bientôt. Que me conseillez-vous comme merkez pour apprendre l'arabe? Allahu Akbar, marhaban. Wallahi, il y a des frères qui sont ici avec moi. Et mashallah, malgré plusieurs années, je découvre beaucoup de choses. Mais ce que je te conseille, mon frère, malgré que moi, ma porte est ouverte, mais en fait, je te conseille pas de rester avec moi. Parce que quoi qu'il en soit, je veux bien te parler en arabe, mais on a trop la facilité. Donc, va avec d'autres. Va habiter avec des Pakistanais, avec
avec autre, d'accord? Et quand tu viendras, Inch'Allah, ou parle-moi en privé, je te dirai. Et peu importe le merkaz où tu apprends. Pareil, c'est tous la même chose. Wallah et les frères, c'est tous la même chose. Tu vas aller à Fajr, bon, c'est plus cher. Tu vas aller à lycée en arabe, tu vas à lycée autre. C'est la même chose. L'essentiel, c'est en cours, tu es sérieux, mais c'est surtout à l'extérieur. Si à l'extérieur, tu restes qu'avec des Français et que. J'ai même pas enregistré ça. Si à l'extérieur, tu restes qu'avec des Français, bah, tu n'évolueras pas. D'accord? Tu n'évolueras pas, tout simplement. Naam. Et ouais, du coup, comment interpréter la relève ottomane concernant le califat qui fut hérité par le sultan Salim Ier? Est-il une exception? Attention, mais parce que là, au départ, c'était Quraysh. Abou Bakr Siddiq, Omar, Othman, Ali, radiallahu anhu. Bon, après, c'est passé à Beni Oumaya. Il y a eu un transfert là. Bon, on va rien dire, d'accord? Beni Oumaya pendant une période, ensuite Beni Abbas pendant une période, après, khalas. Et après, il faut bien savoir qu'à la base, ça, c'était dans le système des tribus, etc. Parce qu'on respecte toujours le. On doit toujours respecter ce qu'on appelle le urf, les façons de faire de chaque époque. Mais l'islam, il est pour tout le monde. Allah Azzawajal dit, Wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum, thumma la yakunu amthalakum. Si vous vous détournez, Allah Azzawajal, il va donner le flambeau et l'étendard de la religion à d'autres. Et c'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. Les Turcs, Allahu Akbar, même si. Ils ont fait, on va dire, quelques erreurs, comme nous dit Imran Hussein. Moi, j'ai toujours tendance à être d'accord avec lui. C'est vrai que certains ont fait des erreurs avec les chrétiens de leur époque, d'accord? Ils ont fait certaines erreurs politiques, d'accord? Mais en règle générale, mais les Ottomans, Allahu Akbar. Moi, j'ai regardé, je vous l'ai dit plusieurs fois, la série de Ortogrul, donc les premiers Ottomans quand ils ont repris le pouvoir. Mais attends, c'est des gens magnifiques, les Turcs. C'est des gens magnifiques. Et Allah Azzawajal les a utilisés pour aider sa religion. Même, il y avait des Arabes à l'époque, il y avait les Arabes en Syrie, etc. Mais ceux qui ont pris le flambeau et qui ont été les Mujahidines et des grands soufis, bon, dans le film, hein, ils disent, je ne sais pas si c'est exactement vrai, mais Ibn al-Arabi, qui est venu, lui, un Arabe, hein, on va dire, qui est venu d'Andalousie. Parce qu'ils savaient que c'est chez les Turcs que le flambeau allait être repris, d'accord? Parce que les deux sont toujours liés. La spiritualité, hein, qui remonte au prophète Hassan et le djihad. Et ça c'est un manhaj alaoui, d'accord? C'est-à-dire qu'en même temps, tu as la spiritualité, tu es un grand adorateur, mais en même temps, un grand combattant, d'accord? Donc, Ortogrul, il était toujours lié avec ce grand pieu qui lui donnait la force, entre guillemets. Donc, c'est ça qu'ils avaient, c'était des grands combattants, des grands courageux. Et il y en a eu d'autres, d'accord? À un moment, c'était les Mamalik, à un moment, c'était. Bon, les derniers en date, c'était les Ottomans pendant 6 siècles. Et il y en a eu d'autres, d'accord? À un moment, il y a eu. Bon, les Mamalik, c'était des Africains. Bon, voilà. Donc, il faut comprendre que Allah Azzawajal donne, comme il dit dans le verset, c'est Allah qui donne la royauté à qui il veut. Non. À la base, le Maroc et le Maghreb, c'est des Berbères. Donc, normal que cette langue soit reconnue. Ben oui, le berbère, jamais, jusqu'à présent, les gens parlent berbère. Moi, j'ai appris le Coran avec des Marocains chleuh. J'étais parmi eux. Je connais un peu leur langage. Comment on dit? Attends, comment on dit déjà? Matrit. Hein, matrit, yani, madatourit, qu'est-ce que tu veux? Je connais quelques mots. Je connais leur hassoua, leur pain, leur plat, etc. Donc, je sais que c'est des gens, ils sont très attachés au Coran, mais ils n'oublient pas leur culture. Normal. Mais, Coran, l'ilm, fiqh, t'inquiète même pas. Tu vois. Et c'est comme ça. Et c'est partout pareil. Ça a toujours été comme ça. Hein. En Afrique, les Peuls, les Nigérians, les Haoussa, tous, au Pakistan, ils apprennent leur ilm comme il faut, mais ils n'oublient pas leur culture. Culture, c'est pas un problème, ça. Les Mamelouks étaient des quoi? Des Tcherkesses qui faisaient la bay'a au calife abbasside pour préserver cette tradition de maintenir un Qurayshite à la tête de Oumma. Ah, ok, d'accord. Donc, ouais, les Mamelouks qui étaient en fait, parce qu'en vrai, on a parlé ça ce matin en plus, parce qu'en fait, quand il y avait des combats, il y a des guerres, etc.,
il y avait des esclaves par milliers, par dizaines de milliers. D'accord? C'était vraiment nombreux. Et après, il les libérait dès qu'ils étaient musulmans. Donc, tout ça, c'était des anciens esclaves qui sont devenus musulmans. Et mashallah. Non. Effectivement, les Ottomans furent les défenseurs de Ahl Sunna et Tasawuf. Tout à fait. Parce que les Ottomans, eux, ils ont justement combattu les chiites. Et c'est ça le pont. Un vrai Ahl Sunna, en fait, il empêche les gens de tomber dans le chiisme. Mais il donne quand même le droit à Ahl al-Bayt. D'accord? Parce que c'est ça le problème. Parce que si on suit les salafis wahhabites, c'est eux qui donnent envie aux gens d'être chiites au final. Parce qu'ils ont un manhaj qui est plus, malheureusement, le mauvais, du mauvais Omeyyade. Parce que un des défauts de l'empire Omeyyade, c'est que les gens d'Ahl al-Bayt étaient malmenés. D'accord? Donc, c'est un peu ça le problème. Alors que nous, que ce soit voilà Asha'ira et Soufi, dans tous nos qasaïd, nos poèmes et nos askar, on donne toujours le droit, on dit Abou Bakar, Omar, Othman, ou Ali. Dans cet ordre-là, il n'y a pas d'anarchie. On ne rentre pas dans, tu vois, mais on donne le droit, on dit Ali alayhi salam, même l'imam Ahmed, il le dit, Fatima alayhi salam, etc. On donne le droit, comme ça au moins, les chiites, ils n'ont rien à dire devant nous. Non. C'est exactement ça, mashallah. C'est possible d'étudier Al-Azhar et d'avoir un travail à côté pour subvenir aux besoins de sa famille. Oui, ça peut être possible, oui, parce que les cours, ils sont que le matin en général. Après, être en Égypte et travailler, ça dépend ce que tu vas faire après, tu vois. Parce que franchement, les journées, elles passent vite quand même. Donc, franchement, concrètement, celui qui, bon, ça c'est un sujet qui est plutôt délicat. Mais après, faut être mujtahid. Il n'y a pas de raison. Celui qui est mujtahid, il fait ce qu'il a à faire. Mais le mieux, voilà, ceux qui sont en France, qui viennent, bon, si je parle pas de ceux qui ont des 30 000 euros dans leur compte et tout, et qui sont encore en train d'hésiter. Parce que franchement, même avec une famille de 3 enfants. Franchement, 1 000 euros par mois, c'est large, 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 large. Tu vois. 1 000 euros par mois, ça te suffit largement pour vivre, tu vois. Ouais, on va dire ça. Mais après, il y en a qui vivent avec plus, mais bon, après, ça, c'est autre chose. Mais travailler, ça dépend dans quoi. Mais bon, après, bon, normalement, maintenant, la présence, elle est quand même souhaitée. Bon, il y en a qui se présentent jamais en cours et qui vont. Que pour les examens, mais bon, c'est pas terrible. Mais bon, vaut mieux quand même quand tu viens pour étudier, être quand même libre pour pouvoir étudier, parce qu'on n'étudie pas pour étudier. Ça veut dire que faut réviser chaque jour, etc. Donc, faut prendre son temps, quoi. C'est-à-dire, toute chose s'organise. L'Azhar, alhamdoulilah, il est là, il fuit pas. On prend un temps, quoi. Tu prends un temps, tu t'organises. Là, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu mets de l'argent de côté, tu essayes d'avoir un commerce, parce que le mieux, c'est d'avoir du commerce. Hein, parce que ces histoires de salariat à chaque fois, à un moment donné, ça aussi, il faudra qu'on en parle, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Les gens, on dirait que si tu travailles pas pour un patron, tu pourras pas vivre. Le commerce, il n'y a que ça de vrai. Et en Égypte, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, en fait. Il y a de la baraka dans ce pays, wallah. Il y a de la baraka dans ce pays. Donc, tu viens, biznillah, pour une bonne intention, tu viens, tu te débrouilles, tu fais du commerce. Ça va aller, inchallah. Enseigner le français, pourquoi pas, c'est très demandé. Moi, je vais essayer de m'organiser là pour faire un truc. Et là, les gens, je vais pas leur faire de pitié, hein, parce que déjà, la langue française, j'ai un contentieux avec elle. Donc, beaucoup de gens demandent la langue française. Il y a plein de choses à faire, en fait. Enfin, c'est possible. Donc, voilà. Lorsque Salim Ier conquit Damas, la première chose qu'il entreprit était de revivifier le maqam du Shir al-Akbar Ibn al-Arabi, par révérence et amour envers lui. Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a une histoire, il y a un lien entre l'Empire ottoman et Ibn al-Arabi, si je ne me trompe pas. Salam alaikum oustaz, pouvez-vous nous parler de notion de bid'a? On entend tout et son contraire à son sujet. C'est dur de comprendre parfois. Bon, oui, la bid'a, on en a parlé beaucoup. En fait, j'ai une playlist, quand je parle du Tébir, il y a au moins 5-6 vidéos entières de 1 heure. Qui explicite c'est quoi la bid'a, on a vraiment tout détaillé. Alors, si on doit comprendre en un mot, la première chose qu'on va dire sur le sujet de la bid'a, encore une fois, c'est que
les frères salafis, wahhabis, taïmistes, on va dire, on va parler clairement. Moi, je les appelle les wahhabo-taïmistes, ou alors les frères salafis, qui se disent salafis. Eux, soit ils font exprès, c'est-à-dire s'ils sont totalement à côté de leur pompe, comme on dit, ou soit ils, en fait, c'est plutôt ça, tu vois, et ils font, c'est pas de leur faute, parce que voilà, ils suivent, en fait, tout ce que dit Ibn Taymiyyah, en fait, d'accord? Donc, il y a deux solutions. Soit on suit l'imam Shafi'i, soit on suit l'imam Taymiyyah, Ibn Taymiyyah sur la question de l'innovation. Chacun doit choisir. Soit tu es taïmiste, soit tu es Shafi'i. Donc, on dit Shafi'i, ça veut dire Shafi'i et l'ensemble des savants de la Oumma, en fait. 98% des savants de la Oumma disent ce que dit l'imam Shafi'i. Et le reste, on va dire 5% pour être gentil, ils disent autre chose, contredisent l'imam Shafi'i. Quand l'imam Shafi'i dit qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Maintenant, pour faire simple, parce que eux, ils vont te citer, il y a deux hadiths à retenir, où le prophète nous dit toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est un enfer. On a appris dans le Balagha et dans les règles dans la langue arabe que souvent il y a des choses qui ne sont pas dites, c'est-à-dire qui sont mahzouf. On a appris ça dans le Balagha. Et c'est le cas. Ce hadith-là représente la définition de la bid'a dans le sens législatif, yani istilahi. Au niveau de la définition de la bid'a, il n'y a pas de bonnes innovations au niveau istilahi, shar'i. Faut bien comprendre de quoi on parle. Donc, lorsqu'on parle de innovation au niveau shar'i, c'est les mauvaises innovations qui n'ont pas de dalil. Donc, le hadith, il doit se comprendre en disant toute innovation qui n'a pas de base et de dalil est une innovation. Mais une innovation qui a une base et un dalil, ben, ça s'appelle même pas innovation dans le sens shar'i. Et sinon, il y a le sens linguistique. Et dans le sens linguistique, il y a des bonnes et des mauvaises innovations. Et le hadith qui correspond au sens linguistique, c'est celui qui instaure une mauvaise sunna, il a la récompense de ceux qui la font, et ceux qui instaurent une mauvaise sunna ont les péchés de ceux qui le font. Donc on a deux hadiths qui s'opposent en apparence. Mais l'opposition, elle est que dans la tête des ignorants. D'accord? Mais elle n'est pas dans les hadiths du prophète al-Salam authentique. Et encore une fois, les autres, ce deuxième hadith qu'on a cité, ils vont essayer de le trafiquer pour dire, mais non, mais en fait, c'est pas tu fais une bonne innovation. Non, tu fais revivre une sunna. Mais attends, il faut arrêter. Il faut arrêter de se moquer des gens. D'accord? Il faut arrêter de falsifier la science. C'est pas tu fais revivre une sunna qui existait déjà. Non. Mais tu fais une chose qui n'existait pas, mais qui a des bases dans la sunna. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, tout simplement, c'est ça. Et donc, revenez à mes doutes sur le regard scientifique sur le tablir. J'ai tout détaillé, les paroles d'Ibn Hajar, les paroles d'Imam Nawawi, les paroles de l'Imam Shafi'i et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et on a expliqué la parole de l'Imam Shatibi, qu'en vérité, au final, ça revient à la même chose. Bien que les Malikites et les salafis infiltrés qui veulent se rentrer dans le malikisme, ça les arrange parce que le maliki, effectivement, sur le sujet de la bid'a, en apparence, hein, Abou Ahmed, il pourra vous le dire mieux que moi, on dirait que c'est le madhhab qui vont pouvoir mieux utiliser pour pouvoir traiter toute la terre entière d'innovateurs. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que l'imam Malik, lui, son fiqh, il est tiré de Ibn Omar. Et on sait qu'Ibn Omar, c'est quelqu'un qui était très strict sur les textes. Donc, ils ont une autre méthodologie. On sait que les Malikites, ils ont une méthodologie différente. Certes, on va dire, pour eux, ils vont nous citer toujours la parole de l'imam Malik. Oui, celui qui innove une chose dans la religion et qui la voit comme une bonne chose, c'est comme si il accuse le prophète de ne pas avoir transmis la religion. Mais à côté de ça, il a un fondement dans son fiqh qui s'appelle Masalih al-Mursala. Al-Masalih al-Mursala, c'est-à-dire les choses qui sont bonnes à faire. Et Mursala, ça veut dire c'est ouvert. C'est-à-dire c'est un dossier ouvert. Donc tout ce qui peut être utile pour les gens
et qu'il y a des dalils, OK, la porte est ouverte, on peut faire différentes choses. Et le meilleur exemple, c'est que l'imam Malik, lorsqu'il enseignait le hadith, il faisait le rousl. Pourtant, le rousl, c'est une adoration. Donc, vas-y, c'est quoi le dalil qu'il faut faire le rousl pour enseigner le hadith? D'accord? Ou c'est quoi le dalil qu'il faut enlever ses chaussures quand tu marches à Médine et qu'il faut marcher pieds nus? D'accord? Donc, voilà. Donc, à un moment donné, vous savez, la meilleure chose, c'est d'arrêter de les écouter et écouter les vrais ulama comme Ibn Hajar, An-Nawawi, etc. Parce que tout le reste, en fait, ça revient toujours à Ibn Taymiyyah. On a combien de temps là? Alors, un travail dans l'informatique depuis chez soi, ouais, ça c'est le mieux. Cheikh, barakallahu fikoum pour vos efforts. Je vous pose la question en privé car je n'ai pas envie de créer de polémique. Je comprends qu'après des années de mise en garde, dénuées de bons comportements et de science de la part de certains prétendus salafis, on veuille rétablir la vérité sur la divergence dans les écoles de croyance. Cela étant, n'avez-vous pas l'impression que la tendance s'inverse aujourd'hui et que certains Ash'aris sont véhéments gratuitement et deviennent un peu sectaires. Surtout que le respect de la divergence voudrait qu'on respecte la croyance Athari, qui, de ce que je comprends de vos cours, n'est pas très éloignée de certaines écoles Ash'aris. Le bon comportement ne serait-il pas d'étudier sérieusement et d'éviter la perte de temps de ces polémiques gratuites qui doivent être balayées d'un revers de main plutôt qu'en créant une nouvelle équipe qui s'opposent aux premiers en reprenant quasiment leur code sectaire. Donc voilà, ça c'est une chose qui revient souvent. Les gens, ils aiment bien dire cela. Mais à la base, comme on avait vu dans les cours justement quand je parlais de la bid'a, nous, il faut comprendre une chose, parce que là, quand vous parlez avec Abou Muslim, vous n'allez jamais réussir à l'avoir avec ce genre d'arguments. Qui sont un peu, j'ai envie de dire, émotionnels et qui sont un peu rhétoriques. C'est vrai, ça pourrait me faire. C'est un argument qui pourrait me faire fermer ma bouche, d'accord? Après, si je dois fermer ma bouche, je la ferme ma bouche. Mais ce que je veux comprendre, c'est que cet argument-là, je vais essayer de le décortiquer. À la base, on ne reproche pas aux salafis de critiquer avec véhémence les innovations. Ce n'est pas ça qu'on leur reproche. Parce que critiquer sévèrement une innovation, c'est une obligation de le faire. Quand il y a une innovation, on doit la critiquer sévèrement, c'est une obligation. C'est même une innovation obligatoire. Comme on a vu, il y a des innovations obligatoires. C'est pas ça qu'on leur reproche. Leur reproche, c'est que eux-mêmes sont des grands innovateurs, mais qui eux-mêmes traitent le monde entier d'innovateurs. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, à un moment donné, la question, ce n'est pas de savoir s'il y a une équipe là ou une équipe là qui on doit se respecter. Ah les gars, arrêtez. Moi, comme je dis, il faut bagarrer. On peut bagarrer, mais il ne faut pas déchirer les habits. Il faut bagarrer. Voilà, tu t'habilles en conséquence. Tu mets ton bon habit, tu mets à côté, tu t'habilles. Il faut préparer les choses. Si on bagarre, on bagarre dans les règles. D'accord? Voilà. Donc, il faut arrêter d'être un peu, je sais pas pour toi, hein, j'espère que tu prends pas mal, mais d'être bisounours, de dire, oh, mais les gars, faut qu'on s'entende, etc. S'il y a innovation, on doit dire c'est une innovation. Si, voilà. Mais quand tu parles de Athari, il n'y a pas de souci. Les Hanbali, les vrais Hanbali, il n'y a aucun problème. On n'a rien contre l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ben, nous, on est en train d'étudier son Mousnad ici. Nous, on a un problème avec ceux qui se prétendent Hanbali et qui, depuis des années, d'accord, depuis 200 ans là, depuis Mohammed Ibn Wahhab, cassent la tête à tout le monde, d'accord, sur tous les sujets. On ne se rend pas compte en fait à quel point, surtout, partout, tous les livres traduits, etc., c'est que eux. Donc, à un moment donné, voilà. Mais moi, j'essaye, là, je fais des questions-réponses, mais moi, j'essaye d'être structuré. Tout simplement, maintenant, ce que je fais, j'enseigne la Aqida Ash'ariya. J'ai le droit, non? Et quand j'enseigne la Aqida Ash'ariya, je dis, ah, regardez ici ce que nous on dit, regardez ce que eux ils disent, regardez ce que nous on dit, regardez ce que eux ils disent, dans le cadre de l'enseignement. Mais c'est pas pour yani, critiquer pour critiquer et pour faire des guerres sur Twitter et sur les réseaux, d'accord? Même si je le fais, j'ai fait avec un frère là, avant le Ramadan, pendant au moins 2 semaines. Mais au moins, lui, il est plutôt respectueux. Et puis, ça te permet de, quand tu débats, franchement, moi, j'ai appris beaucoup. J'apprends beaucoup.
parce qu'en même temps, il me sort ses arguments, etc. Et on en arrive. Et on va arriver à quelque chose. Parce que quand tu me dis l'isbat, et je lui ai montré pourtant, à la fin, il était étonné, il me dit, ramène la preuve, ramène la preuve. Je ramène la preuve. Nous, on n'a rien contre l'isbat. El yed, la main d'Allah. Qui va dire qu'Allah n'a pas une main? C'est du kufr de dire qu'Allah n'a pas une main. C'est du kufr de dire que Allah ne descend pas au ciel de ce bas monde. Allah yanzil, yanzilu rabbuna. Oui, il y a Allah azawajal, le visage d'Allah. Le problème, ce n'est pas le mot, mais le problème, c'est ce que tu comprends. Or, les sahaba, eux, ils avaient leur compréhension, ils connaissaient la langue arabe, comme on dit, et tout ce qui s'ensuit, le sens des mots, la balagha, tout ça, c'était en eux. Donc, voilà. Donc, nous, on a le isbat, mais voilà, le mot main. Après, à un moment donné, soit on parle scientifiquement, soit on ne parle pas parce qu'ils veulent nous rendre fous, on dirait. La main, donne-moi la définition. Ouais, mais ce n'est pas la définition humaine. Ah ben voilà. Donc si ce n'est pas la définition humaine, donc ça veut dire que c'est une définition qu'on ne connaît pas. En ce qui concerne Allah, on ne connaît pas. Mais la définition d'une main d'un point de vue humain, on la connaît. Mais si tu veux appliquer cette définition humaine à Allah, toi-même, tu n'es pas d'accord avec ça. La plupart d'entre les frères, en réalité, ils sont moufawwid sans le savoir. À part ceux qui sont arrivés à un certain niveau, ils ont étudié Tadmouria, etc., les livres poussés d'Ibn Taymiyyah, où là, c'est l'anthropomorphisme criant, quoi. Peut-on atteindre le degré le plus élevé du paradis sans être un savant? Encore, il faut savoir qu'est-ce que c'est être un savant, d'accord? Ça, c'est une question qu'il faut déjà savoir. Qu'est-ce que c'est être un alim? D'accord? Est-ce que être un alim, c'est le fait de mémoriser le Coran par cœur, de savoir bien parler, d'avoir beaucoup de connaissances? D'accord? Le ilm, la définition du ilm, c'est quelque chose qui te ramène. En fait, la définition du ilm, elle est directement liée à la pratique. D'accord? Quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qui ne pratique pas, en fait, sa science, elle tombe. Youssouf alayhi salam, il a dit, si jamais je penche vers les femmes, asbu ilayhinna, je vais devenir ignorant. À partir du moment où tu tombes dans le péché, c'est que tu es ignorant, c'est que tu n'as pas d'ilm. D'accord? Le frère Abou Ahmed nous dit, c'est du blabla, la aqida athari est celle des trois écoles. Eh ouais, c'est ça, les trois écoles. On a Ash'ari, on a Maturidi et on a les Hanabila, les vrais. C'est ça les athari. Mais il ne faut pas confondre parce que les gens, ils s'infiltrent. Ouais, athari, athari. Et justement, ils se battent. Parce que les gens, ces gens-là, ils veulent pas. Quand tu leur parles des vrais Mujassima, wallah, parlez-leur des vrais Mujassima, vous allez voir leurs yeux comment ils vont avoir peur. Non, ils n'existent plus. Ah bon, ils n'existent plus? Bah, parlons-en. Et les anciens Mujassima, c'était quoi leur propos? Le premier, là, Muqatil ibn Sulayman, et regardez et Az-Zahabi dans Siyar al-Mudbala, il te dit, Balara fil isbat. Ou Balara fil isbat. C'est-à-dire, il a exagéré dans le fait de faire l'isbat. Et c'était sûrement qu'on appelle raddat fi'l. Parce que d'un côté, il y avait des gens qui ont exagéré, c'est les Mu'tazila et les Mu'attila, qui ont exagéré dans le fait de nier les attributs d'Allah. Et d'un autre côté, tu as des gens qui ont exagéré dans le fait de dire, non, non, Allah, il faut prendre les choses au sens apparent. Parce que c'est ça qui s'est passé, en fait. Et c'est les premières innovations, en fait, qu'il y a eu. Les premières innovations, c'est les Mu'tazila qui ont nié les attributs et les Mujassima qui ont exagéré. D'accord? Alors, frère, nous ne soyons pas dupes. La plupart des gens s'identifient au mouvement Athari en France ne sont que des crypto-wahhabis n'ayant pas le courage d'affirmer ça en public. C'est la réalité. À un moment donné, faut le dire. Ils se prétendent Hanabila, mais quand tu veux maintenant. Moi, je dis, on est à l'époque d'Internet. Encore à l'époque des livres. Chacun, il faut qu'il aille puiser dans un livre. Maintenant, tu cliques comme ça et tu vas trouver des vrais Hanabila. Ils vont te dire tout de suite. Ils vont te dire, attendez, attendez. Oui. Ibn Taymiyyah, et je m'excuse encore et je m'excuserai toujours si je parle en mal d'Ibn Taymiyyah. Parce que d'ailleurs, je pense, Allahu A'lam, que de toute façon, il s'est repenti de tout ça. Il était un grand pieux et un grand savant. Il a tourné, tourné, mais à la fin, Allah Azzawajal lui a donné une bonne fin. Déjà, ça c'est de un. De deux, c'était un grand savant, Hanbali de base. Mais Ibn Taymiyyah ne représente pas le madhhab Hanbali. C'est pas, il n'y a pas que Ibn Taymiyyah dedans. Et c'est un savant parmi les savants. Il y a des choses, on va dire 80% de ce qu'il a dit, il était l'imam des Hanabilas sur plusieurs sujets. Mais ses égarements,
qui ont été repris par Ibn Qayyim et on va dire que lui, par Ibn Qayyim, ben, on ne les prend pas en considération, c'est tout, ça s'arrête là. Puis déjà, se référer à la croyance Athari en français, n'est-ce pas là une contradiction en soi? Donc, Athari en français. Traduire en français, c'est interpréter par définition, donc on bafoue la règle de Isbat. Tout à fait. Déjà, oui, déjà quand on est en français, déjà, ça pose un problème. Mais en arabe, j'ai envie de dire, c'est la même problématique. Oh, il y a beaucoup de questions, hein. La destruction du patrimoine à la Mecque n'est-elle pas l'image de la communauté musulmane? Donc, la destruction du patrimoine à la Mecque. Effectivement, ça, c'est. Malheureusement, voilà, ça, c'est le mauvais fruit du wahhabo-taymiste, en fait. Et l'imam Ibn Taymiyyah, malgré qu'il était très aimé des gens, et oui, il était très aimé, c'était un grand pieux, mais ils ont dit, lui, c'est pas possible. Parce que quand vous vous rendez compte qu'il a dit que celui qui voyage pour visiter la tombe du prophète, c'est un voyage de désobéissance. En fait, il voulait interdire aux gens de voyager pour visiter la tombe du prophète. Donc, Ibn Taymiyyah, malheureusement, il avait des innovations en ce qui concerne Allah Azzawajal et en ce qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quand même délicat. Au niveau de Allah Azzawajal, au niveau du prophète sallam, et aussi au niveau de la jurisprudence, il y a des fondements où il voulait sortir des quatre écoles. C'est très problématique, tout ça. D'accord? Ibn Taymiyyah, c'est un long sujet. Et tout ce qu'ils nous font à la Mecque, maintenant qu'ils veulent détruire toutes les traces, les mosquées où les Sahaba avaient prié, les choses qui nous permettent de se rappeler de l'histoire, ils veulent tout enlever. Pourquoi? Et depuis tous ces siècles, c'était là, et maintenant, ils veulent tout enlever. Jusqu'à où, comme ça? Pourquoi on enseigne la méthodologie des khalaf, ta'wil, alors que même les Asha'ira sont d'accord pour dire que c'est risqué, risque d'erreur d'interprétation? Enseignez aux personnes qui viennent de commencer l'étude d'Aqida. Mais vous savez, quand on parle de ilm, en fait, on ne parle pas de risque, d'accord? Parce que si on parle de risque, ça, c'est ce qu'on appelle le wara. C'est-à-dire, le wara, c'est le fait de délaisser quelque chose par peur, tu vois? Et le wara, il n'y a pas de limite. Quand on parle de ilm, l'ilm, c'est précis. Quand tu es un chirurgien, OK, c'est risqué. C'est risqué d'ouvrir le ventre de quelqu'un, d'ouvrir, de faire une opération au cœur. Oui, c'est risqué. Mais si tu connais ton métier, tu le fais et il n'y a pas de problème. Et il faut savoir que chez les Ash'ari, il y a deux avis. Il y a le tafwid qui existe et il y a le ta'wil qui existe. D'accord? Et le ta'wil, de toute façon, il existe depuis l'époque des Sahaba en réalité. D'accord? Il y a plein d'exemples de ta'wil fait par les Sahaba. Il y en a plein. D'accord? Donc c'est la même chose. On dirait que les gens, ils n'ont jamais ouvert un livre. Pourquoi tu me parles de risque? D'accord? Le ta'wil, c'est qu'on va étudier bientôt le chapitre du majaz dans le Coran. En vérité, c'est que ça. Si tu enlèves le sens figuré du Coran, bah, tu lui enlèves toute sa beauté, en fait. Yani, tu enlèves toute la beauté du Coran. Et les savants, ils ont dit que s'il n'y avait pas ça dans le Coran, en fait, c'est ça l'arabe. La beauté de l'arabe, elle est dans ça. Si je te dis, Zayd est courageux. Je dis oui, ok, on a compris, Zayd est courageux, mais trouve-moi une formule, dis-moi quelque chose, tu vois, trouve-moi une formulation qui me fait vibrer, entre guillemets, d'accord? Tu vas pas dire une phrase toute simple comme ça. Et c'est ça le ta'wil, c'est-à-dire Allah, il parle. Par exemple, j'écoutais ça ce matin. Allah, il dit, In tuqridullaha qardan hasana. Si vous prêtez à Allah, yani, tu prêtes après, il va te rendre. Mais, parce que comme l'être humain est tellement avare qu'il faut employer une tournure de phrase qui est forte pour que tu dises, OK, vas-y, bah, si je prête à Allah et qu'Allah me rend, OK, vas-y, ça marche. D'accord? Mais attends, tu prêtes à Allah, est-ce que Allah, tu vois ce que je veux dire? Et des exemples comme ça, il y en a des centaines. Donc voilà. Enseigner aux personnes qui viennent de commencer l'étude de l'Aqidah. Mais ceux qui viennent de commencer, il y a un commencement à tout. Parce qu'à chaque fois, les frères, disent oui, ils viennent de commencer, ils viennent de commencer. Mais jusqu'à quand on va commencer, en fait? D'accord? Moi, ça se voit pas là, j'ai pas de barbe blanche, mais j'ai 43 ans. Et les frères, ils sont toujours comme ça. Ah, mais tu viens de commencer. Ah, mais tu viens de commencer. Mais c'est toi qui viens de commencer, mon frère. C'est toi qui étudies Usul Salasa depuis 20 ans. Mais chacun a son niveau. Pourquoi tu dis qu'il vient de commencer? On étudie sérieusement. Voilà, c'est comme des mathématiques. Tu apprends d'abord les additions, après, tu apprends. Ceux qui viennent de commencer, bah, ils étudient un livre de débutants. Et puis ceux qui sont au niveau, ils apprennent. Dans la Aqida, il y a des niveaux. Hein. Tu n'apprends pas n'importe quel livre à n'importe quel moment.
Le frère Abou Ahmed nous dit, le ta'wil est autant la méthode des khalaf que des salaf. Et on est des ajam. Voilà, tout à fait. On n'a pas le niveau en arabe pour assumer le isbat. Surtout pour la masse, c'est très dangereux. Oui, justement, c'est aussi le isbat qui est autant dangereux que le ta'wil. Hein, par défaut, on fait le ta'wil, qu'on le veuille ou pas. Absolument. OK, merci de la réponse. Voilà, on a presque fini. Comment expliques-tu les insultes de Ibn Taymiyyah sur Ali ibn Abi Talib dans son bayan Talbis al-Jahmiyyah? Donc, comment on explique, comme on a dit, malheureusement, Ibn Taymiyyah, les innovations qu'il a eues, c'est par rapport à Allah Azzawajal, la conception d'Allah, la conception du prophète, alayhi et aussi Ahl al-Bayt. Par rapport à Ali, il y a des paroles qui font, même Qadi Riyad et Nawawi ont interdit ce type de voyage. Ah bon? Le voyage pour. Attention, parce que Nawawi, justement, il y a une falsification sur sa parole. Quand Nawawi a rapporté le hadith de voyager pour visiter la tombe du prophète sallam, et certains ont falsifié le texte en disant visiter la mosquée. Non, c'est pas la mosquée. Tu vas visiter la mosquée, mais c'est quoi qui quoi dans la mosquée? C'est la tombe du prophète sallam. D'accord? Abou Ahmed, doucement, doucement. Laisse les gens poser leurs questions, mais on faut leur répondre doucement, doucement. Et après, je crois que la personne elle est dans notre camp, je crois. Elle veut juste savoir, non. Donc, en tout cas, en ce qui concerne, ils veulent nous voler nos imams malikis, là. Non. Donc, en fait, et par rapport à Ali, effectivement, en fait, bon, le livre Talbis al-Jahmiyyah, je ne l'ai pas vraiment lu, mais il y a le livre Le Shifa est clair, non. Le Shifa Furuq al-Mustafa, Ijma, c'est un consensus. Dans son livre Minhaj al-Sunna, mais ça fait dresser les poils. Et nous, quand on a étudié, il a kické dans le vent avec le Qadi Riyad. Bah oui, Qadi Riyad, non, c'est pas lui qui va interdire de voyager pour visiter la tombe du prophète. Donc, pour finir, je pense qu'on va conclure. Comment dirais-je? Dans Minhaj al-Sunna, en fait, il était en train de répondre à un chiite qui lui mettait Ali à une place, voilà, et considère que Ali, ça devait être le calife et tout. Et à force de répondre, et Ali avec des versets, etc. C'est-à-dire qu'il s'est acharné à répondre à un chiite qui voulait donner une place à Ali, radhiyallahu alayhi salam, et lui, il s'est acharné à répondre, et donc, du coup, bah, il se retrouve à dire des choses contre Ali que quand tu entends ça, tu dis, mais attends, c'est quoi le problème? T'as un problème avec Ali? Alors que, radhiyallahu alayhi salam, alors qu'on sait que celui qui n'aime pas Ali, ben, c'est un signe d'hypocrisie. Et certains savants, pas moi, ont décrété Ibn Taymiyyah hypocrite à cause de ça. D'accord? Certains l'ont déclaré mécréant. Bon, voilà, nous, c'est pas ça que la vie qui est retenue. Mais tout ça pour dire que c'est quand même dangereux. C'est quoi le problème? Et à chaque fois, en fait, quand tu regardes, quand il interprète l'histoire, c'est toujours Ali qui a tort. Et c'est toujours Fatima qui a tort. Pareil aussi, Fatima, alayhi salam. Pareil, je vous ai dit plusieurs fois qu'on a étudié la. Même encore ce matin, le hadith, l'histoire de Fadak, hein, chose que les chiites, les Rawafid, s'accrochent à cela. Hein, mais alors, on va terminer sur ça parce que quelle est nous notre interprétation de ça? Pourquoi est-ce que Abu Bakr Siddiq a refusé de donner l'héritage à Fatima? En fait, notre interprétation que le cheikh nous dit, c'est que, en fait, cette terre-là, c'était, ça représentait un bien, il y en a beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup. Et en fait, pour gérer tout ça, ça demande vraiment une grosse administration. C'est une grosse gestion. Parce qu'avec cet argent-là, il nourrissait des orphelins, des femmes veuves, il nourrissait les invités qui venaient et il leur donnait des cadeaux quand ils repartaient. Et il nourrissait ses épouses avec ça. Bah oui, les arguments wahhabis, c'est des kicks en plastique. Donc voilà. Donc, ça demande une gestion. Donc, Fatima, radhiallahu anha, elle était fâchée contre Abou Bakr parce qu'elle s'est dit, mais pourquoi tu ne veux pas me confier? Est-ce que tu considères que je suis pas assez apte? Parce que quand quelqu'un me demande quelle est ma aqida, je viens de voir votre chaîne et c'est une belle surprise. Quelle est votre aqida? Je vais répondre, inshallah.
Il dit, mais Fatima, elle se considère une femme voilà, qui est tout à fait responsable. Elle peut gérer avec son mari, Ali Atanou, son héritage, d'accord? Et le gérer comme le prophète le faisait. Alors que Abou Bakr Siddiq se disait, non, ne vous fatiguez pas avec ça. Moi, je sais parfaitement comment le prophète gérait cet argent, etc. Donc moi, je vais le faire. Ne vous fatiguez pas. En fait, c'était ça. En fait, il y avait une mauvaise, il y avait une incompréhension. Mais pas rentrer dans l'interprétation des chiites qui disent qu'en fait, ni des chiites, ni des wahhabites. Parce que, attention, Othman el-Khamis, soi-disant qui défend, qui contredit les chiites, alors qu'il devrait plutôt laisser ce sujet, ce serait mieux. Parce qu'en fait, franchement, les gens comme Othman el-Khamis, c'est-à-dire des wahhabites qui essayent de réfuter les chiites, c'est une catastrophe. Ils donnent encore plus envie d'être chiite, en fait. Vaut mieux qu'il se taise, parce que franchement, mentir comme ça, franchement, on dirait. Est-ce que ce n'est pas Nassibi, par exemple, par hasard? Ben, on dirait. Parce que ils reprennent tous les trucs Omeyyades, etc. Et trucs, de toute façon, après, c'est toujours ce qu'Ibn Taymiyyah a dit. De toute façon, on dit Rasmane Khamis, on dit Ibn Taymiyyah, d'accord? Mentir, etc. À l'époque à l'ère d'Internet, pourquoi tu mens? Parce que même à l'époque où il y avait en 2012 là, les débats entre Othman Khamis et Adnan Ibrahim, ben franchement, tout était clair. D'accord? Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il a dit, Othman Khamis, sur Fatima? Il dit, oh, Fatima, elle s'est fâchée parce que, oh, vous savez, les femmes, elles aiment la dounia. Ah, oh, astaghfirullah. Donc, tu es en train de dire que Fatima, alayhi salam, elle s'est fâchée contre Abou Bakr parce que juste, elle voulait la dounia, en fait. Et pareil pour Ali, radhiallahu anhu, ce qu'ils disent, c'est que Ali, en fait, il voulait juste riyasa. Ali, il voulait le pouvoir, en fait. C'est pour ça qu'il combattait contre le pouvoir. Et Muawiya, il combattait pour le. Ça, de toute façon, moi, je suis persuadé que Ibn Taymiyyah, il s'est repenti de tout ça. Et que, comme quelqu'un a dit, le fait que nous, on réfute Ibn Taymiyyah, sûrement que dans sa tombe, il fait des doigts pour nous. Il dit, Barakallahu fikoum. C'est pas la peine de propager les erreurs que j'ai enseignées. D'accord? Donc voilà. Donc après, bon, tout ça, c'est des sujets. Le soi-disant imam de l'Quds qui reproche à Sidna Hussein alayhi salam d'être sorti comme contre Yazid. Bon, voilà, c'est toujours la même chose. Bon, après, c'est des sujets. Moi, je préfère toujours étudier ces sujets dans le cadre d'un livre et pas que ce soit des discussions. Moi, j'aime pas trop le bavardage. D'accord? Si des gens, ils ont des questions, voilà, de fiqh, de pas trop politique, histoire. Le dogme, manhaj, ouais, nous les Français, je connais comment on est. D'accord? Hop, s'il vous plaît, ne pose pas mes questions. Je suis hors thème, tu répondras plus tard, ça marche. Il n'y a pas de souci. Non, bah bon, il n'y a pas de thème, mais en vérité, il y a des questions, il y a des gens qui ont des questions beaucoup plus d'ordre. D'ailleurs, je vais y répondre pour la peine. Pour terminer, des gens qui demandent est-ce qu'une femme doit travailler? Parce que ça, je voulais en parler aussi. Est-ce qu'une femme a le droit de travailler. Ça, c'est mon avis personnel. Enfin, c'est pas mon avis personnel. Mais une dernière question, c'est que une femme, est-ce qu'elle doit travailler? En fait, ce qu'il y a, c'est que en réalité, bon, après, moi, je suis chaféri, donc normalement, la femme, je lui paye une femme qui fait la cuisine et qui fait oui, je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Qui fait la cuisine, qui fait le ménage, etc., etc. Mais après, ma vision des choses, vu le contexte dans lequel nous on est, les musulmans, dans le contexte où la langue arabe est combattue, le Coran est combattu, c'est-à-dire que même dans les pays musulmans, en fait, même il faut savoir que les enfants dans les pays musulmans maintenant, on leur apprend pas vraiment le Coran. Hein, c'est fini les coups de tête qu'il y avait où les gens apprennent le Coran pour de vrai, ça c'est terminé. Enfin, ça c'est vraiment réduit. D'accord? Donc, l'éducation vraiment islamique. Donc, pour moi, la priorité, une femme, si elle veut travailler et si elle veut se rendre utile en dehors de ses obligations, dans le foyer, pour moi, qu'elle se consacre le Coran, la langue arabe et qu'elle se consacre à, voilà. Les femmes travaillent à la maison, la cuisine, pas chez vous comme vous voulez, je m'en fous. Non. Voilà, mais faut le dire. Mais franchement, moi personnellement, c'est ce que je préconise. Parce que après, franchement, travailler, sincèrement, après moi, autant je suis cool, doctorat dans la cuisine. Ça, c'est pas moi. Je voulais.
la responsabilité de vous. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà les relations avec, c'est-à-dire extérieur, c'est si une femme, elle fait du commerce, elle travaille, donc automatiquement, elle va avoir des interactions avec d'autres hommes, d'autres personnes. Sincèrement, moi personnellement, voilà. Après, c'est et pareil pour les hommes, hein. C'est-à-dire que avoir des interactions avec le sexe opposé, franchement, ça doit être vraiment limité, 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 d'accord? Ou sinon professionnel, ça veut dire que voilà, on a quelque chose à se dire, on le dit, etc. Mais normalement, franchement, c'est mieux quand on évite. Ça, c'est un des côtés, genre, un des bons côtés quand même des salafistes, des wahhabis. Voilà, chacun de son côté, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Mais il n'y a pas que eux, hein. Les Pakistanais, les Hanafis, les Afghans et tout, ils sont très durs sur ça. D'accord? Après, ça dépend les, ça dépend les cultures de chacun, etc. Mais franchement, une femme, même une femme, même une sœur, elle me dit oui, je vais faire des études. Pour... Ouais, c'est vrai, être docteur, ok, pourquoi pas. Docteur, pourquoi pas. Bon. Mais après, c'est au cas par cas, quoi. Mais bon, il faut déjà vraiment, moi, pour moi, la base, quoi que ce soit qu'on fasse dans notre vie, quoi que ce soit qu'on fasse, pour moi, déjà, le Coran, c'est un minimum. Une femme, bi-idhnillah, les femmes, elles sont très intelligentes, elles sont très concentrées. Elles peuvent apprendre le Coran bien comme il faut et être vraiment dans leur adoration et s'occuper bien de leurs enfants, leur apprendre le Coran, l'arabe, leur faire aimer, voilà, de devenir des ulama, etc. Vraiment, moi, personnellement, c'est ce que je conseille. Mais aller travailler, attends, il n'y a pas de boulot déjà. Laissez le boulot pour les, hein? Laissez les hommes faire, vous êtes des princesses, vous n'avez pas besoin de travailler. Après, travailler pourquoi? Après, pour dire, ah, j'ai mon argent, et, tu vois, ça fait un peu de, un conflit d'intérêts, vous voyez un peu? Laisse le mari, c'est lui qui se fatigue pour vous, Inch'Allah. Les princesses, elles ne travaillaient pas. Salomon a hérité du trône et de biens matériels de David. Donc, il y avait une question. Alors, ouais, ma aqida, c'est clair et net. Je suis Shafiri, je suis Ash'ari, je suis Soufi Shazili, Siddiqi Yusri. Tariqa qui est mon cheikh, il a pris sa tariqa du cheikh Siddiq al-Ghumari et il a sa propre tariqa et moi c'est lui mon cheikh. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est ça ma aqida. Une dernière question. Dans le sunnisme, il y a un récit souvent cité. Nous, prophètes, nous ne laissons ni dirham ni dinar. Tout ce que nous laissons en héritage, c'est la science. Alors que le Coran, il y a écrit que Salomon a hérité de David, Yahya a hérité Zacharia. Comment explique cela? Non, que l'héritage des prophètes, ce n'est pas de l'argent. Donc, ça revient à effectivement ce que Abou Bakr Siddiq a dit à Fatima, que les prophètes n'ont pas d'héritage. Leur héritage, c'est le sadaqa pour les musulmans. Mais Salomon et Ali, yani, Ali Ibrahim, etc., eux, effectivement, ils ont hérité d'un mulk. J'ai envie de dire que, en réalité, nous aussi, c'est la même chose. La Ummah du prophète, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier que pendant 1400 ans, c'est eux qui dominaient la terre, bien que le prophète a laissé ça à leur libre gestion. D'accord? Mais il faut savoir que tout ce que les prophètes précédents ont eu, le prophète aussi l'a eu. D'accord? Il ne faut pas oublier que notre Ummah, elle a géré le monde pendant toutes ces années. D'accord? Et que nous, si on hérite du Coran et de la Sunna, justement, le ilm, eh ben, Allah Azzawajal, il va nous donner la royauté dans ce bas monde. Ça suit avec. Même si en réalité, la parole que Issa alayhi salam, il a dite, elle est valide. Notre royaume, il n'est pas de ce monde. Peu importe si on a la royauté dans ce monde, si on est en état de force ou en état de faiblesse dans ce bas monde. Ça, ce n'est pas le plus important. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est la réponse que je peux donner. Après, voilà. N'oubliez pas. Donc, je crois que je t'ai répondu, Akhi. Salomon a hérité du trône et de biens matériels, tout à fait. Arrête la diplomatie, là. Disons les choses. Restez à la maison. Non, mais il faut être diplomate dans la vie aussi, de temps en temps, je pense. N'oubliez
Masha'Allah, Allah préserve le docteur Chiroussri. Mais c'est important quand même. Wallah, et le frère, il dit ça. Le frère Abou Ahmed. Les gens se plaignent de toi, Abou Ahmed. Toi, tu es trop. Vous, les Antillais, là, vous êtes proches des. Les Antillais et les Algériens, là, on dirait que vous êtes liés, là. Vous êtes, des fois, vous avez le sang chaud. Ce que je veux dire, c'est que, franchement, je le pense, quoi. Tu vois? C'est-à-dire qu'une femme qui est trop habituée à aller travailler, à être indépendante, etc. Moi, je le dis, ça pose des problèmes sur le long terme. Je le dis. Moi, je me permets de parler avec 14 ans d'expérience de mariage, réussi, alhamdoulilah, qu'Allah nous préserve tous et qu'Allah préserve tout le monde. Et je pense que, voilà, ces ingrédients-là, il y a des ingrédients quand même qui font que les choses peuvent perdurer. Mais si c'est pour se marier 4 ans, 5 ans, après ça casse parce que chacun veut son indépendance, moi, je dis, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Une femme qui se lève à 6 heures pour prendre les transports en commun et travailler avec un patron qui lui donne des ordres, c'est pas beau ça. D'accord? Et effectivement, d'ailleurs, Alain Soral, il expliquait très bien. Et même le jeune avec qui j'ai fait la vidéo récemment, là, un jeune Égyptien, il m'a dit comme ça, parce qu'en Égypte, il y a cette même propagande occidentale qui est très propagée malheureusement en Égypte, où les femmes elles travaillent, les femmes elles sont actives et tout. Et en général, comme on dit, les femmes elles sont prêtes à servir la soupe à leur patron. Oui, patron. Ah, désolé, patron. Je suis arrivé en retard. Oui, très bien, très bien. Ça va être réglé dans l'instant. Oui, d'accord. Avec le patron, respect, etc., machin. Mais le mari à la maison, oh, c'est bon. Nanana, tu vois? Donc, soit la femme, elle a deux patrons, c'est-à-dire c'est une double peine. Donc, non seulement elle travaille dehors, mais à la maison, à la cuisine, c'est qui va travailler? C'est moi. C'est moi qui va faire le riz, c'est moi qui va faire le yassa. Hein? Peut-être de temps en temps, mais sinon le yassa, je peux le faire, mais c'est mieux quand c'est toi qui prépares, c'est là que c'est bon, sinon ça n'a pas de goût. Tu vois? Jazakallah, j'avais une question, le Coran et les différentes qira'at. J'attends la question. Le Coran, les différentes qira'at, de toute façon, ça on en parlera, j'en parle pas assez, c'est mon domaine. Inch'Allah ta'ala, les qira'at, je vais vous les faire découvrir. Abou Ahmed, calme-toi. Ben sinon, monte. Hein. De toute façon, la prochaine fois, le vendredi, quand ton cours est terminé, Inch'Allah, on se met en binôme. Toi, quand tu es sur une vidéo avec moi, ça cartonne, Inch'Allah. Tu as du flow, on a du flow tous les deux. Peut-on vous suivre si je suis de l'école Malikite? Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à enseigner le fiqh en tant que tel. J'ai commencé en arabe. Mais bon, c'est vrai que ce serait plus cohérent que j'enseigne le fiqh maliki parce que voilà, tout le monde a adopté ce fiqh-là. Mais franchement, avec l'expérience, n'importe quel madhhab que tu étudies, c'est pour étudier, tu vois. Et pour étudier, wallah, tout se rejoint. C'est pas que c'est les mêmes avis, mais si tu connais une école, tu connais l'autre. D'accord? Tant que tu étudies une école, tu es bien. D'accord? Tu étudies une école sérieusement, etc. Tu vas arriver à une bonne compréhension. Donc pour l'instant, j'ai pas commencé à enseigner. Mais franchement, voilà, vous êtes les bienvenus. Hein, si je fais des cours de fiqh Shafi'i, vous êtes les bienvenus. Le paradigme libéraliste occidental a malheureusement infiltré les consciences des femmes musulmanes et diffuse cet état d'esprit qui fatalement massacre et déglingue les foyers. On va kicker le Mac bientôt, Abou Ahmed. Ben oui, Abou Ahmed. Ensuite, elle va te dire qu'en islam, c'est pas obligatoire de faire à manger et faire le ménage. Ça peut... Voilà, après, c'est ce genre de problématique qui arrive. Donc, des fois, il y a des choses, moi, qui me paraissent évidentes. Après, les gens, ils n'ont pas les mêmes modes de vie, ils n'ont pas les mêmes habitudes, etc. Mais franchement, voilà, c'est des ingrédients quand même qu'il faut faire attention, quoi, tu vois, avec cette propagande qu'ils nous font. Tout ce qu'on veut, c'est que les choses se passent bien, en fait. D'accord? Que les choses se passent bien. Tu peux nous réciter quelques passages avant de finir? C'est qui demande Younous? D'ailleurs, pour le jour du vendredi, comme ça, là, on a beaucoup bavardé. Mais dorénavant, en fait, ce qu'on va faire, on va faire un petit programme et on va lire quelques qasaïd au début, quelques versets du Coran, histoire qu'on ne reste pas que dans le bavardage. Donc voilà, comme tu as dit, on va finir avec du Coran, Inch'Allah. Alors, je récite quoi? Je récite quoi?
On va réciter Al-Hadid. Mèche, le début. Allahu Akbar. Bon, vous savez quoi, j'ai envie de réciter la fin de sourate, la fin de sourate, la fin de sourate, Hashr. OK? Naam. A'oudhu billahi minash-shaytanir-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائلين والقائمين به آمين اللهم آمين الحمد لله on a bien bavardé on a bien discuté الحمد لله c'était intéressant je trouvais ça intéressant c'est bien d'échanger avec les gens parce qu'en vérité c'est bien d'être à l'écoute des gens et comme on a dit dorénavant on va aussi faire des qasaïd un petit peu Yani, par exemple, celle de Dirdir, de Asmaoul al-Husna, celle de Al-Busayri. J'aime trop celle-là de la Qasida. Ah, la Qasida, pas le Bourda. Al-Mudariya, Wallah, Mashallah. Al-Busayri, Wallah, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial, lui. Et puis celle qu'on a expliqué, l'invocation de Ibn Atayla à la fin. Donc parce qu'il y a un temps pour discuter, il y a un temps pour laisser un peu écouter des choses vraiment, voilà, des poèmes écrits par des salihines, etc. Toute la semaine, on discute. Donc là, faut un moment où en fait, on se détend un petit peu, on échange, etc. Et toute la semaine, là, voilà, on essaye d'être assidu. Pour l'instant, c'est un programme en français, mais le programme en arabe simple, hein, voilà, ce sera accessible pour tout le monde. Sûrement Jalalayn en arabe, yani de Suyuti, sûrement Arba'in Nawawiya, et des livres que je vais faire pour mes enfants, peut-être des livres par rapport à Tibyan, Fihamat al-Qur'an, yani, 3-4 livres comme ça, et le fiqh Shafiri, simple en arabe, na'am. J'ai hâte du programme en arabe, na'am, tellement hâte, na'am. Ça va être très accessible. Il y a un frère qui m'a parlé ça existe des choses comme ça, en fait, c'est le programme du collège en fait. Programme de collège et c'est très adapté pour nous en fait d'accord donc voilà donc je vous laisse et puis Fiqh Chafiri j'attends ça avec impatience ça marche inchallah donc je vous laisse inchallah barakoufikoum donc on se dit à vendredi prochain et sûrement avec Abou Ahmed et voilà allez je vous dis à la prochaine inchallah subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد